Et je participe parce que c'est vraiment important dans ma vie d'avoir un moment à moi, avec une petite communauté mais restreinte. Donc on se sent dans un cadre sécuritaire, on se sent vraiment en confiance, mais c'est vraiment l'occasion d'avoir un espace sacré pour me ressourcer, pour explorer aussi où j'en suis dans ma vie. Je suis une adepte fidèle au rendez-vous à tous les 2 semaines. Ça me permet d'atteindre un équilibre et d'aller chercher des réponses à l'intérieur de moi, mais sans avoir à y penser, sans y aller avec ma tête, mais plus avec mon cœur. Suis vraiment addict. Je suis tombée addict. C'est vraiment pour moi là, un moment. C'est un rendez-vous doux avec moi-même, finalement, je te dirais, là, de suivre des larmes. Donc, j'adore. J'adore. Mais je trouve ça sympa de que ça me laisse emmener vers mon imagination et ça m'arrive pas si souvent. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis aussi ce que j'ai remarqué c'était que c'était complémentaire avec une autre sorte de cheminement que je peux faire par ailleurs, qui est un cheminement pour mieux me connaître et mieux me comprendre. On y va spontanément, puis c'est plutôt intuitif, puis après ça, l'intellect arrive. Fait que de pouvoir laisser place à des émotions, des émotions, mais c'est ça, des intuitions, des choses qui sont peut-être un peu plus moins présentes dans mon intellect, m'amener vraiment des constats qui sont puissants. C'est que j'aurais, je pense pas que j'aurais pu avoir accès aussi rapidement, je dirais ça de même. Moi, ce que ça m'apporte le plus, c'est que, bon, d'une part, ça vide la tête, mais ce que ça m'a surtout apporté, c'est une grande liberté. J'ai découvert ça, en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas, on découvre. Moi, j'ai vraiment découvert ma créativité avec cet atelier-là. Et ça, c'est toujours des belles surprises. Tant le voyage, l'exploration, la navigation, parce qu'on est vraiment bien navigué par une capitaine extraordinaire, que les découvertes qu'on fait sur soi. Donc, j'ai vécu beaucoup de fins, hein, quelles qu'elles soient, sur plein de plans. Puis le lab créatif, ça m'a aidé en fait à vivre ça plus sereinement, je vais le dire comme ça. Pourquoi je participe, c'est aussi à cause du nom. Ça m'a beaucoup impressionné, un journal créatif, particulièrement le deuxième mot qui est la créativité, parce que c'est agi en même temps. C'est pas simplement théorique, c'est pratique. Alors, c'est pour ça que ça me plaît bien.